Du coup les gars, c'est parti, on va enfin découvrir le parapluie saison 10, c'est maintenant, c'est tout de suite, attention, est-ce qu'il va être mieux que la saison 9, parce que c'est certainement la saison 9 il était vraiment bien. Oh il est vraiment beau en vrai. Cocteau, c'est ton ami, soutiens-le dans la boutique et il sera ravi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nouvelle vidéo tout simplement, on va débloquer le parapluie saison 10, j'ai dit saison 9, saison 10. Juste avant, on va acheter le pass de combat. Juste avant de l'acheter, les gars, n'oubliez pas de mettre le petit code créateur Cocteau. Ouais, bah, quoi, aucun hein. Oh, créateur soutenu, aucun. Quoi? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais what the fuck? Ah, voilà, là, Cocteau. Nickel. Et là, vous pouvez acheter le pass de combat. Sachez que ça me soutient énormément. On va pas se mentir, les gars, les pépettes. Donc, acheter, c'est parti. Tu peux. Alors, ouais, moi je prends la version basique à chaque fois. Ça suffit largement. Le pass de combat directement à acheter. Pass de combat amélioré, blablabla. Le pass de combat, je le trouve. Il y a pire, il y a mieux. Il est mieux que la saison 9 quand même, je trouve. Un poil mieux. Surtout le skin de fin en fait. Le skin de fin est assez stylé. Ah merde, j'ai spoil. Bah, je vous ai spoil, tant pis. Un petit fils de pute. On peut offrir le pass de combat. D'accord, du coup, on peut offrir le pass de combat. Donc, c'est pas trop mal. Je voulais tout simplement aussi vous dire que là actuellement je suis en live sur Twitch. Donc allez dans la session, je vais faire un marathon où je vais tout simplement passer champion. Voilà. Donc là il y a de nouvelles arènes tout simplement, voilà, solo. Donc là on a 0 points. Et il va y avoir un marathon tout simplement, je vais passer en Ligue Champion. Donc toute la journée je vais essayer de faire à fond mon maximum pour passer en Ligue Champion. Il y aura un peu une série donc n'hésitez pas. Et on perd du coup combien de tickets? On perd moins 80, d'accord, moins 80. Bref, donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre ici sur Twitch, maintenant tout de suite. Nous on va aller en solo normal, et on va aller faire stop 1, on va aller débloquer ce nouveau parapluie, voir à quoi il ressemble. En tout cas, si la vidéo vous a plu, si elle va vous plaire, le pouce bleu, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, le Twitch est important, parce que YouTube ça me sert juste à upload des vidéos et à vous proposer quelque chose. Mais sur Twitch, il y a de l'interaction avec vous, il y a des bons moments, il y a du fun, il y a tout. Bref, c'est ultra bien. Moi je vous souhaite un bon visionnage. Les gars, on est parti pour la game, c'est plusieurs games que je relance. Parce que Dusty et l'usine de Skyheart. Oh, what the fuck, le monde qu'il y a, il y a plus de monde là-bas que d'abonnés à ma chaîne YouTube, c'est juste incroyable. Et puis à un moment les serveurs buggaient, donc quand t'allais là-bas c'était assez chiant. Parce que bon, il faut savoir que faudrait peut-être que Epic Games pense à mettre leur serveur dans du riz un jour. Parce que là ça full buggait. Du coup on va quand même spawn assez safe et après on ira là-bas. Il y a les robots qui sont ajoutés, honnêtement ils servent pas à grand chose, enfin je sais pas, en solo je trouve pas ça fou. Parce qu'il faut être deux pour les piloter. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à donner votre avis en commentaire. On se retrouve dès qu'il y a un petit peu de kill à faire, ok. Non. Oh, mais... Mec, c'est ça la saison 10? C'est ça la saison 10, sérieusement. Trop de monde. What the fuck, le monde qui a. Je laisse aucune arme, hein. Je laisse absolument aucune arme. J'ai pas rêvé. Ok, les balles de pompe sont là. Hop là, toi tu dégages, toi t'as mis tellement une grosse balle. J'ai même mis une balle de pompe quoi. Allez hop là, toi tu dégages. Nickel. On va pas remonter tête en haut du truc là. Ah ouais, ça c'était impossible à monter, je m'en souviens tellement. C'était limite un escape game le truc. Dans le blanc, nickel ça. Y'a plus les drones, y'a plus les drones. Mais non. Mais non, ils ont enlevé les drones. Mais non. C'était pas cheaté les drones. C'était pas cheaté. Mec, les drones, c'était pas cheaté, c'était trop bien, ça faisait des rotas. Ah mais c'est sûr que c'est plus intéressant de rajouter des météorites hein. Allez, y'a un mec là.
Y'a plus aucun moyen de redéployer le planeur. Hein. Y'a plus de redéployer. Il va mourir. Y'a plus de redéployer le planeur. Bah, y'a plus. Quoi? Mec, tu me tues et je pète un câble. Hein. Et oui, redéploie. Les gars, le silex, le redéploiement de planeur, il n'y a que les grenades répulsives maintenant pour perdre la hauteur. Ça, c'est un point qui me fait extrêmement chier et j'en parlerai plus tard, mais ils ont enlevé tout. C'est-à-dire que maintenant, bah, quand quelqu'un prend la hauteur, tu peux le faire tomber direct parce que t'es sûr à quasiment 200% qu'ils ont enlevé le flux d'air tout autour. Non. Non! Hein? Quoi? Quoi? Ils ont enlevé le flux d'air, mais il n'y a plus les geysers, je crois. Je peux pas dire de connaître, je crois qu'il n'y a plus les geysers. Il n'y a plus les pads. Enfin, s'il y a encore les pads, mais ils vont remettre les pads 2, je crois. Il y a quoi? Il y a plus les répulsives, il n'y a plus les planeurs. Oh, bah ouais, forcément, je prends tarif. Bah ouais, je prends un pad. Mais. Ils se font trop chier. Ouais, il n'y a plus les geysers, je crois, il me semble. Il n'y a plus les drones. Oh là 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 là. Oh, c'est pourquoi je prends un focus, moi. Oh, c'est moi qui prends un focus. Mais ouais, pourquoi c'est moi qui prends un focus? Mais pourquoi c'est moi qui prends un focus et pas lui? D'accord. Voilà. Pourquoi c'est moi qui prends un focus? Mais ouais, je prends le focus alors qu'il y a zéro raison. Ouais, je prends focus, il y a zéro raison de prendre. Casse-toi. Mais putain, toi t'étais un sacré con. Mais comment on peut être aussi con que ça? Oh, c'est vraiment de la zone se termine ici, mais tu pètes un câble en canon. Et j'aurais dû m'en douter que ce petit fils de pute ait posé un trap. What the fuck? Mais c'est un tryhard, vas-y c'est bon, je la mets sur YouTube. Ça me casse les couilles, j'ai même pas envie d'y jouer à cette saison de merde! Hop là, 48 de bois. Hein. Bon, je crois que ça va plus vite avec la pioche. Hein. Hop là, 50 de bois. Allez. Bien sûr, il y a un mec du coup. Hop là, hop, c'est bon, moi je suis cancer, non, non, stop. Hein. Pas pousser mémé dans les orties. Mémé, elle en a marre, mémé. Hein. Elle en a marre des matchs de merde. Moi je veux du skill, on pond quoi des trucs de merde là? Attends, je t'ai pas oublié là-bas.
Allez, tiens. Péché. Tiens, dégage, petite merde. Oh, le KS. Oh, en bas, j'ai gagné. T'es mort. C'est pas le choix. Allez, hop là. Hop là, top 1. Voilà, je vous mettrai l'autre game avant parce qu'elle est. En fait, faut tryhard sa mère pour faire top 1. Ah oui, bah j'ai tryhard, mais j'ai fait top 1, j'ai fait top 1, je tryhard. Alors, on va enfin découvrir ce parapluie saison 10. Du coup, les gars, c'est parti. On va enfin découvrir le parapluie saison 10. C'est maintenant, c'est tout de suite. Attention, est-ce qu'il va être mieux que la saison 9? Parce que certainement, la saison 9 était vraiment bien. Oh, il est vraiment beau en vrai. Je l'aime bien. Honnêtement, il est stylé. Il est vraiment en rapport avec la saison bah du coup la saison 10, on va pas se mentir, vraiment stylé. Bref, si la vidéo vous a plu, un maximum de pouces bleus, abonnement. N'oubliez pas les gars, je suis actuellement live sur Twitch. Au moment où vous regardez cette vidéo, je suis sûrement live sur Twitch en train de faire le marathon pour passer level champion en arène. Donc n'hésitez pas à aller checker. En tout cas, c'était Compto, abonnement, pouce bleu. Je vous aime putain, ça c'est tuto machin truc qu'il dit.